une nouvelle livraison, une nouvelle édition, il faut dire, de la Contretemps, qui sera certainement aussi piquante, aussi pertinente que les précédentes. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Nous accueillons Heidi avec plaisir. Oui. Ravi de retrouver Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Heidi. Oui, bonjour Heidi. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, oui, je ne te laisse même pas finir. Aujourd'hui, il y a un préalable qui s'appelle le rire. Vous savez, je vous ai fait rire. Le rire, alors, le rire, c'est une citation, pas de moi. Un ingrédient indispensable à la survie, or, nous rions beaucoup. C'est de Patti Smith. Alors, j'avais pensé faire un petit genre, vous dire, Patti Smith is an American singer, songwriter. Puis j'ai dit, bon, ça va faire gauche, alors on va le prendre en français. Patti Smith est une auteure, compositrice, interprète, poète, peintre et auteure américaine qui est une figure majeure de la scène rock et punk. Mais je regrette de ne pas dire en anglais quand même, hein. Enfin. Et dans son livre Just a Kid. Alors, moi, je me pose des questions. Vous n'allez pas répondre. Ce sont des questions sans réponse. Peut-on à la fois rire tout le temps et être sérieux? Vous allez me répondre après, vous allez le temps de réfléchir. Quelle différence y a-t-il entre être sérieux et garder son sérieux? Ah, enfin, face au malheur du monde, sérieusement, face au malheur du monde, ne faut-il pas garder tout son sérieux? Faire une émission carrée, pontifiante, sérieuse et tout, à l'image de ce qui se passe autour de nous, en Ukraine, etc., le Covid, cinquième vague. Et puis pourquoi, après un éclat de rire, par contre, ça sent si bien? Actualité. Bon, maintenant, faut être sérieux. Daniel va nous parler de l'augmentation de la dotation pour les Outre-mer. Ensuite, elle nous parlera de justice climatique. La Suisse est condamnée. C'est une décision fondamentale. Je développerai. Je n'interviendrai pas dans cette émission, sinon pour faire l'introduction. Alors, laissez-moi la faire, hein, cher partenaire. Emmanuel va nous parler du budget primitif 2024. Budget primitif de notre chère et bien-aimée collectivité. Solène Brun, sociologue, a fait un papier sur le mythe, un ouvrage. Le mythe de métissage heureux, c'est évident que c'est Emmanuel que j'ai demandé de faire ça. Eddy, par contre, c'est le gros nanan, le gros morceau, va nous parler d'une critique, il va reprendre ou il va soit entériner, soit contredire, une critique de deux universitaires du rapport de la Cour des comptes sur l'octroi de mer. Et puis, il va nous parler de chécocratie. Réactualité. À tout seigneur, tout honneur, c'est comme oui, ça qu'on dit. Le rapport de la Cour des comptes souffre d'un manque profond de rigueur scientifique en termes de choix méthodologiques et d'interprétation économique. Deux universités ont leur nom, peu importe, à l'Université de La Réunion, en matière de méthode et de compréhension de ce qu'est cet impôt, cette taxe pour nous. Ils développent. Bon, ils ont raison. Donc, tu vois, je ne participe pas à la destruction du microcosme intellectuel réunionnais, en sachant qu'ils prennent essentiellement des exemples réunionnais pour défendre. Alors, je ne vais pas les accuser d'avoir été fortement poussés à défendre l'octroi de mer à La Réunion. Ils ont raison, alors, sur plusieurs points, je vais en prendre qu'un. Ils disent la chose suivante, les sages de la Cour des comptes, on peut dire ça? Oui. Ils sont sages. Oui, pourquoi pas. Disent que l'un des reproches les plus structurés que l'on puisse faire à l'octroi de mer, c'est de participer à la cherté de la vie. Parce que cet impôt, cette taxe, appelons ça comme ça, cette taxe vient se rajouter au coût déjà relativement important des produits importés, puisque ça s'applique essentiellement à des produits importés, dont les Réunionnais, mais tous les territoires d'outre-mer, dépendent très fortement, puisque nous consommons environ, pour la Martinique par exemple, nous importons environ 3 milliards d'euros par an, ce qui est relativement peu par rapport à la masse des dépenses de la Martinique. Je rappelle que c'est 64 milliards d'euros, donc quand vous dites, quand les gens commencent à nous dire « Ouais, nous dépendons de l'extérieur, un peu, 3 milliards sur 64 milliards », en fait, l'argent, il est déjà dans le pays et il tourne. Voilà. Et donc, cette critique sur le fait que ça renchérit les biens ne tient pas, selon ces deux intellectuels.
Tout simplement parce que la très grande partie des produits dits de base ne sont pas soumis à l'octroi de mer. Voilà. Donc en fait, il y a d'autres facteurs qui expliqueraient le fait que les produits soient chers comparés aux mêmes produits dans un hypermarché de la région parisienne. Et donc, ce rapport qui se base essentiellement sur ça, en disant, ben, cet octroi de mer, virez-moi ça, parce que ça, c'est la cause majeure de la cherté, c'est faux. Alors, je ne prendrai que ça. Les autres, c'est plus technique. Ils ont raison sur le fait que ce rapport est basé sur des approximations et surtout sur une étude et un rapport Ferdi qui est lui-même rempli de non-sens. Bon. Donc, un rapport qui se base sur un rapport qui est bidon et ça tout annule. Le... C'est les deux, bon, annule les deux rapports. Par contre, ces deux intellectuels ont tort dans leur défense de l'octroi de mer. Parce qu'en en fait, ils disent, mais non, mais l'octroi de mer, on en a besoin pour les collectivités locales et pour défendre la production locale. Sur la défense de la production locale, oui. Il faut préserver, selon moi, un différentiel de tarifs pour éviter que la production locale, qui est d'abord de l'import-substitution, c'est-à-dire au lieu d'importer des yaourts, c'est plus rentable de les fabriquer localement et surtout ça donne de l'emploi. Bon, donc, mais pour que les yaourts importés qui sont parfois frappés de dumping, c'est-à-dire qu'on les vend à 0 centime, ne puissent exploser la production locale, il faut renchérir le prix des yaourts importés avec de l'octroi de mer. Sur ça, il n'y a aucun doute. Par contre, l'essentiel du produit de l'octroi de mer va aux collectivités. Donc, il y a un non-sens et même une discrimination qui est la suivante. C'est-à-dire qu'on prend dans le revenu des Martiniquais et on ne parle pas seulement des denrées de base. On ne parle pas des denrées de base. On parle de la téléphonie, on parle de l'électricité, on parle des transports, c'est-à-dire de l'énergie, on parle des services bancaires, etc. Où on va sur... Parce que Il y a beaucoup d'éléments de production locale qui ont de l'octroi de mer, un tout petit peu. Mais par exemple, l'imprimerie, si vous voulez faire fabriquer un magazine en Martinique, vous payez de l'octroi de mer. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, on prend sur les produits importés, pas seulement des aliments de base, les bagnoles, tous les équipements industriels, il y a de l'octroi de mer dessus. Donc, ce n'est pas Tissonson qui souffle là, il souffle à la fin. 300 millions d'euros chaque année, donc du portefeuille des entreprises martiniquaises, donc des Martiniquais, pour les donner aux collectivités locales. Or, en Dordogne, dans le Languedoc, ce n'est pas les deniers des habitants de la Dordogne qui financent les communes de Dordogne, c'est l'ensemble national. Donc il y a une inéquité. Et la crainte globale des gens qui défendent l'octroi de mer, c'est qu'on va retirer... Alors c'est complètement débile, hein. Ils ne vont pas m'aimer... On va retirer aux Martiniquais une indépendance décisionnelle sur le seul impôt, l'autonomie fiscale. Quelle autonomie fiscale ? Quelle autonomie fiscale ? Puisque, en réalité, et c'est ça qu'il faut que les gens sachent, quand une commune dit, bon, et Serge, vous étiez moi plus l'argent, donc augmente un peu les taux d'octroi de mer sur tel truc, puisque c'est Serge le chimie, à travers la CTM qui recueille et qui redistribue aux communes par l'intermédiaire de la douane, ok. Cet argent-là n'arrive pas tout de suite. Hein. C'est l'État français qui l'avance. Ok. Et d'une année sur l'autre, on s'aperçoit que l'État français, c'est lui qui récupère l'argent à l'entrée, le fameux octroi de mer. Ben, il le garde, quoi. Il attend pour le donner. C'est comme le RSA, c'est comme toutes les... les fameuses ponctions sur l'économie, l'État va prendre son temps pour le donner. Et ce que les types craignent, c'est que si on leur enlève l'octroi de mer et que l'État compense, au lieu de donner 100, comme d'habitude, l'État va donner 80. Donc les 20%, ils l'auront dans l'os. Mais en réalité, ce n'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est nous ne pouvons pas être des Français entièrement à part. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas
à la fois payer plus cher nos produits et en plus prendre cet argent pour financer nos communes et faire l'État faire une économie substantielle qui est de l'ordre de 300 à 400 millions d'euros par an et plus d'un milliard, 1,7 milliard sur l'ensemble de l'Outre-mer. Voilà. Donc, il y a deux choses à retenir. Il faut absolument préserver ce différentiel de prix pour protéger la production locale, mais il faut arrêter de faire financer les communes par l'impôt des seuls Martiniquais. Et quand tu, à ce moment-là, la somme que tu vas récupérer, toujours, puisqu'il y aura le différentiel, elle va être attribuée à quoi ? La somme que tu... Qui ne sera plus donnée aux communes. Donc, tu vas faire quoi avec ? Elle va... Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est que ces sommes soient allouées à des fonds d'investissement pour développer l'emploi local. C'est ça. Il ne faut pas donner cet argent aux politiques. Ça suffit. Je vais me faire plein de potes. Est-ce que le moyen terme n'est pas de les laisser aux politiques, mais uniquement pour abonder le budget investissement et en aucun cas le budget fonctionnement ? Tu sais très bien qu'ils ont la sale habitude de confondre les deux. OK ? Les détournements de destination, c'est la spécialité des politiques. Okay. Mais où, cet argent-là, ce n'était pas pour payer les avances sur les fonds européens. Oui, mais bon, comme vous comprenez, on a eu des problèmes de trésorerie, on a payé en permanence, avec la complicité, bien évidemment, des payeurs. Le type, il va pas ne pas payer les salaires. Monsieur Letchimy, on a un problème de ligne de trésorerie. Bon, on va demander aux banques ce qu'ils ont fait dernièrement. Les banques ont dit non, circulez, on vous donne plus d'argent. On fait quoi ? Il ne faut pas donner cet argent aux politiques. Déjà, ça ne va pas représenter non plus des sommes colossales, mais ils ne vont pas en faire un bon usage. Il faut donner ça à un fonds, il faut orienter ça vers un fonds auquel participent bien évidemment des politiques, mais aussi l'État et les entrepreneurs. Nous avons besoin de financement à coûts les plus bas possibles de l'économie locale. C'est tout. Les banques ne font plus ça. C'est terminé aujourd'hui. Donc, une banque ne gagne plus beaucoup d'argent à prêter de l'argent. C'est clair. Donc, Le budget primitif 2024, 1,418 milliards et des poussières d'euros pour la CTM, Emmanuel. Oui, alors le budget de la CTM a été voté le 5 avril 2024. Et il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est en forte baisse. Moins 260 millions d'euros exact. Par rapport à l'année dernière. Alors, plusieurs observations, un peu dans le désordre. La première, c'est d'abord, ça c'est un peu un étonnement, c'est de dire comment se fait-il qu'un budget qui couvre une période annuelle soit voté aussi tard dans l'année, en avril. Ça veut dire qu'il y a une impasse qui est faite sur le premier quadrimestre dans l'usage de ce budget. Donc, je pense qu'il y a, c'est un appel à raison, d'ailleurs, auquel sont confrontées aussi les entreprises. Une entreprise s'interdit de faire son budget en cours d'année et s'arrange pour qu'au mois de novembre, décembre, il ait une visibilité pour pouvoir planifier son action. Donc ça, c'est une première réflexion de fond sur la période de sortie de ce budget. C'est vrai que ça enlève un levier d'action fort aux politiques. La deuxième chose, c'est pourquoi une telle baisse ? 260 millions d'euros, c'est quand même énorme, c'est quand même beaucoup. Alors, deux grandes explications. Celle officielle annoncée par la CTM, qui est de dire on est dans un contexte de tension économique, avec de l'inflation, avec des perspectives qui sont plutôt sombres, et donc ça justifie la contraction de la ressource. Et ça, c'est l'explication liée au contexte économique. Et puis la deuxième explication, peut-être, serait-elle aussi liée au fait que le budget de l'année d'avant était sans doute anormalement surévalué, parce qu'il avait augmenté de 260 millions d'euros par rapport à 2022, donc à peu près la même somme. Et donc on revient finalement à ce qu'était le budget 2022. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une année où on s'est trompé, probablement, dans les moyens que l'on devait mettre sur la table pour faire tourner le pays Martinique. Donc ça, c'est une deuxième explication qui, à mon sens, est la bonne. Enfin, parler aussi des ratios. On est quand même sur un budget où le ratio investissement-fonctionnement est de 70-30, c'est-à-dire un bon ratio. On ne peut pas critiquer
ce ratio, la part de l'investissement est conventionnelle par rapport à ce qui se pratique sur d'autres collectivités. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Sauf qu'en valeur absolue, la part de l'investissement baisse de manière considérable. Et là, on est confronté aujourd'hui à une situation où les investissements qui déterminent le chemin d'avenir sont complètement obérés, et ça inquiète d'ailleurs énormément les acteurs économiques de la Martinique, qui voient bien que les projets d'infrastructure ne seront pas au rendez-vous, que notamment les projets d'investissement liés à l'aménagement du territoire sont en chute libre, les dotations données aux associations également sont en chute libre. Donc il y a un vrai sujet d'inquiétude sur la capacité de la CTM à faire face à ces investissements. Et donc, à partir de là, quelles sont les solutions? Alors, j'écoutais le président de Contact Entreprise qui a fait une interview il y a 2 jours pour donner un peu son point de vue. Et il disait une chose qui me paraît assez juste. Il me disait, bon, OK, on va subir cette contraction budgétaire. On n'a pas le choix. Elle s'impose à nous. Mais il faut impérativement que la CTM trouve des compensations dans l'optimisation de ses services pour qu'il n'y ait pas la double peine. C'est-à-dire que si le budget baisse et que dans le même temps, on n'arrive pas à optimiser les leviers existants, notamment les fonds européens, parce que là aussi, c'est une somme d'argent qui est menacée de partir. Si les délais de paiement et les délais de traitement des dossiers ne sont pas raccourcis, eh bien là, on va dans un mur, on va se fracasser dans un mur. Donc au moins, compenser cette baisse par une optimisation des services pour que ce qu'on perd d'un côté, on le retrouve au moins dans une efficience de l'activité. Et puis enfin, rappeler quand même que quand on gère une collectivité, et je pense que c'est aussi un peu vrai dans le monde de l'entreprise, il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut agir. La recette, on n'est pas dans une époque où on peut augmenter les impôts éternellement, je pense que ce serait une mauvaise vision, en tout cas c'est pas la dépense. Il y a comment faire pour qu'aujourd'hui le fonctionnement de la CTM se réduise. C'est un débat un peu tabou parce que j'entends rarement des hypothèses qui consistent à revoir le périmètre de fonctionnement de nos collectivités. Or, je peux vous dire que dans le monde de l'entreprise privée, quand on est confronté à ce type de sujet, on commence d'abord par régler son fonctionnement avant de toucher au budget d'investissement. Et donc là-dessus, il y a peut-être une décision de courage à avoir que d'ouvrir ce chantier, au moins de poser la question, est-ce que le fonctionnement de ce collectif n'est pas trop lourd pour pouvoir prendre de la ressource qui aurait été mieux affectée dans l'investissement. C'est quand même ce moteur-là qui est essentiel si on veut que l'économie du pays et toutes ses conséquences positives puissent tourner. Avant de passer à l'augmentation de la dotation globale, 2 mots sur... Oui, bon, l'analyse est parfaite. Il faut rajouter quelque chose qui est... Allons avoir une vision un peu plus positive malgré tout. Je ne pense pas qu'il faille que les gens repartent avec l'idée que si les collectivités ne vont pas bien, l'économie du pays ne va pas bien. D'accord. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. Sinon, l'économie martiniquaise ne se serait pas développée autant au cours des 20 dernières années. C'est l'investissement privé qui prime. Alors, pas évidemment concernant les infrastructures majeures, les routes, les hôpitaux, etc. Mais la vie économique, l'emploi, le fait que les gens aient de l'argent pour acheter de quoi manger, c'est d'abord le secteur privé. C'est ça qui est essentiel. Et la notion de levier de la collectivité, c'est un mythe. Alors, si ça devait être ça, ben, on serait mort depuis très longtemps. Puisque vous vous rappelez, juste un petit point d'histoire, vous vous rappelez qu'en 1992, il y a des gens qui sont venus nous dire, c'est fini, l'économie va s'écrouler, parce que Camille Darcière a mis la région en faillite, parce qu'il a construit des lycées. Elle est où la faillite? Voilà. C'est juste un point d'histoire. Il faut bien faire la part des choses. L'investissement public est nécessaire dans les infrastructures, on va dire, publiques. Mais bon, on peut laisser nos routes se dégrader, on va dire ça comme ça. On ne peut pas laisser l'économie se dégrader. Il faut que les gens aillent manger, il faut qu'ils puissent téléphoner en permanence. Heureusement que ces secteurs-là ne sont pas des secteurs publics. Heureusement.
ne sont plus les secteurs publics. Le gouvernement a annoncé une augmentation de 320 millions d'euros de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités d'outre-mer. Et ça serait la deuxième augmentation consécutive, ce qui fait que Papa Noël, Mère Patrie, pour notre bien, pour notre bonheur, notre prospérité, je te donne la parole. Je ne t'ai pas entériné ce que j'ai dit. Hein. Non, mais enfin, tu peux appeler ça Papa Noël si tu veux. Moi, je ne suis pas toujours dans cette vision. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité que pendant deux années consécutives, après plusieurs années de baisse, voire de diminution, cette dotation a augmenté. Donc, tu donnes les chiffres, 320 millions par an, 640 millions sur deux ans. Et pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, puisque depuis un moment, on parle de techniques, de financement, de ça, pour savoir comment la société vit, c'est ce que l'État verse aux collectivités. Que sont les collectivités? Ce sont les communes, les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération de communes, alors les régions et les départements, et pour nous, c'est donc la collectivité unique. C'est ça. Donc l'État, chaque année, verse une dotation. Alors, il faut savoir que globalement, pour la France entière, c'est plus de 27 milliards d'euros. Donc, tant mieux, moi je dis tant mieux si nous bénéficions de... Alors, j'ai essayé de chercher, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, de comprendre les critères d'attribution. Alors là, on rentre dans une complexité qui est extraordinaire et qui me dépasse totalement. Simplement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a deux niveaux. Un niveau qui est commun à toutes les collectivités et puis il y a un niveau qui est ce niveau de péréquation, c'est-à-dire qu'on tient compte des évolutions et on compense l'un par l'autre. Et ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est que quand même, ce qu'on retient pour pouvoir fixer le montant, c'est basé sur la population, sur la richesse, sur les charges et sur les ressources. Et donc, la population, ça veut dire que plus une population d'une collectivité va augmenter, et plus la dotation va augmenter. Et donc, plus une collectivité va perdre de la population, et plus ça va diminuer. Donc, dans notre situation, à nous, en Martinique, où on nous répète tous les jours, à part quelques communes comme Ducos-Robert, qui augmentent de population, mais la population diminue, c'est qu'il y a des collectivités donc, qui perdent de la population, donc qui vont perdre de la dotation. C'est ça, la réalité aussi. Il faut comprendre que les mécanismes. Alors, ce qui peut sauver, c'est qu'il y a une autre institution qui s'appelle la DACOM, qui permet d'allouer des sommes aux communes qui justement voir leur dotation globale de fonctionnement diminuer. Ouais. Alors peut-être que celles-là vont avoir une petite possibilité, si leur dotation a diminué, d'aller à ce fonds, Papa Noël Bis, donc pour rechercher un peu d'argent. En tous les cas, moi en conclusion, la réalité, parce qu'on critique souvent les collectivités, et notamment les communes, mais quand on voit le poids de ce qui pèse sur elle au niveau du fonctionnement, il y a quand même tout le RSA, tout ce qui est fonctionnement social. C'est pas évident de faire face à tout. Et puis les choses sont complexes. Donc par conséquent, c'est vrai qu'il faut chercher l'optimisation, être plus vertueux dans certains comportements. Mais globalement, moi je tire mon chapeau à ceux qui s'occupent au quotidien du fonctionnement de nos collectivités. Merci beaucoup. Tu imagines les conséquences d'une non-prise en compte d'une population, par exemple la population immigrée, oui. sur oui. la baisse qui bénéficie. Nous, on a fait une petite étude. Entre 2006 et 2023, la population martiniquaise aurait diminué d'environ 60 000 personnes, ce qui représente une perte de plus de 300 millions d'euros de dotation. Voilà ce que ça représente. Ouais. Mais donc en fait, ce qu'ils nous donnent, c'est 145 euros par habitant, hein, les 320 millions là. C'est une paille. Alors qu'en réalité, il faut faire face à une population... 145 euros par an, par habitant. Mmh, ouais. Donc, tu imagines ce que ça peut représenter. Pas grand-chose. Le rapport Pébro, commandé en 2005 par Thierry Breton, sonnait déjà l'alarme. À l'époque, la dette était inférieure à 1 200 000 euros, elle a dépassé les 3 milliards 5 000 euros. Et c'est ce... 3 000 milliards. Oui. Mais c'est un niveau qui me dépasse. 3 milliards. 3 000 milliards. Et le titre de l'article qu'on va commenter, c'est « Ce reste le crépuscule de la chécocratie française ».
Ça, ça, faut que c'est dit, il y a ça. Chez Corrèze. 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Pour M. Macron. Enfin, Macron a battu tous les records, tout simplement parce que Macron a connu ce qu'aucun autre président n'a connu, c'est-à-dire le devoir, l'obligation de sauver un pays. Parce que quand... Je vais vous donner un chiffre. Covid, c'est... On arrête tout. On est d'accord, c'était ça. On ferme tout. On ferme tout. Okay. Il n'y a que les services essentiels qui, et surtout les services de santé qui fonctionnent. Bon, sécurité, santé. Quand vous arrêtez l'économie martiniquaise, un jour, l'économie perd 285 millions d'euros. Dans une journée. En une journée. Alors, pour avoir ce chiffre-là, c'est très simple. Vous prenez ce que la Martinique produit comme richesse sur une année. C'est 11 milliards d'euros. Ce qui est considérable, hein. C'est le fameux PIB, la valeur ajoutée entre, on va dire, le chiffre d'affaires, donc ce que vous avez vendu, moins ce que ça vous a coûté, ça fait une valeur ajoutée. Emmanuel connaît ça, il pratique ça tous les jours. Vous divisez ça par 365 jours, ça vous donne 285 millions. Donc quand vous arrêtez l'économie, vous perdez en richesse créée, même pas en chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires, j'enlève le chiffre d'affaires, ok, il vaut mieux pas, parce que sinon on se dit, mais comment on fait? Il faut bien que quelqu'un mette cet argent-là sur la table. Sinon, les gens le mettent comment? Les gens en question, c'est l'État, on est bien d'accord. Ils prennent en charge le salaire que vous ne pouvez plus verser à vos salariés. Ça n'existe que dans une vingtaine de pays dans le monde. D'ailleurs, quand l'entreprise ferme au Bangladesh, au revoir. Ici, on appelle... les autorités du travail et on dit, est-ce que vous pourriez prendre le chômage partiel? Et on vous dit, ok, on va payer 80% du salaire. Non, c'est inimaginable dans certains pays. Aux États-Unis, c'est pas la peine de s'y occuper. Bon, il faut faire ça, on va dire, dans tous les domaines. Okay, les entreprises elles-mêmes ont reçu des subventions. Par exemple, nous, dans l'événementiel, c'est mort. Il y a toute une série d'activités. L'État nous a dit, écoutez, pour que vous ne disparaissiez pas, on va vous donner un peu, pas beaucoup, un peu de votre chiffre d'affaires réalisé en 2019. Bon, tu imagines bien que les mecs qui n'avaient pas de comptabilité, qui n'étaient pas à jour, s'y occulaient. Bon. Donc, Macron a mis sur la table des centaines de millions d'euros et au total, plus de milliards d'euros, de 1000 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros. C'est considérable. Alors, est-ce que aujourd'hui qu'on est revenu à des choses traditionnelles, le chèque que beaucoup de présidents de la République avaient choisi de pratiquer. Hein. Ça n'a pas commencé avec Macron. Mais ça a pris une ampleur considérable à partir du moment où la France n'a plus fabriqué sa propre monnaie. C'est ça, voilà le changement. Le changement, c'est que quand on est passé à l'euro... C'est plus la France qui faisait tourner sa planche à billets. Donc, fabriquer de la monnaie, ça permet, on va dire, d'éviter d'en emprunter aux méchants banquiers. Et on faisait tourner. Mais ça, ça créait mécaniquement de l'inflation. Et quand il y a beaucoup d'argent qui circule dans un pays et que ce flot ne correspond pas à la réalité de l'économie, ben, les gens qui vendent des choses se disent... C'est mes signaux, l'argent, magavré, prix à monter. Donc ça, c'est fini. Maintenant, si la France veut de l'argent pour payer un pont, à l'époque, elle faisait tourner de la machine à billets, la planche à billets. Là, elle lève la main et elle demande à la Banque Centrale Européenne, si elle peut, la Banque Centrale Européenne dit non, c'est fini. Ce temps-là est terminé, je vais arrêter de vous donner de l'argent gratuit. Et l'autre solution, c'est d'appeler le banquier en lui disant « passe-moi 200 milliards d'euros parce que j'en ai besoin ». C'est ce qu'ils empruntent chaque année, c'est considérable. Mais il faut rembourser le banquier. Autant la Banque européenne, tu lui dis « bon, c'est difficile, fais-moi des facilités », le banquier, là, terminé. Hein. Parce que les mecs se précipitent pour vous donner de l'argent. Tout simplement parce que les taux sont assez faibles. C'est 5% aujourd'hui. Avant, c'était moins 2, moins 3%. Donc, la réponse à la question « Est-ce que c'est fini l'époque de la chécocratie ?» J'ai une très mauvaise nouvelle. Non. Non. Parce que tout le monde participe à ça. Le premier
On tape sur la France en particulier, mais le pays qui est le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis. Tous les matins, les types, il y a une salle à la Réserve fédérale, il faut voir ça, il y a une salle, et ils émettent des bons du Trésor. Donc en fait, ils empruntent de l'argent. Et il y a des chaises, il y a des types qui ont des téléphones, il y a des types qui ont des ordinateurs, et ils achètent des bons. Et les plus gros acheteurs de bons, ce sont les Chinois. Et les Chinois ne peuvent pas aller bien si les États-Unis ne vont pas bien, parce que le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Les États-Unis achètent massivement à la Chine. Et si la Chine n'achète pas, ne vend pas massivement aux États-Unis en leur permettant d'avoir de l'argent, eh ben, le système s'effondre. Et si les États-Unis et la Chine s'effondrent, on l'a dans l'os. Très bien. Société. Jingle. Justice climatique. La Suisse a été condamnée suite à une requête d'une association suisse dénonçant l'impact du réchauffement climatique sur la qualité de la vie, une décision fondamentale qui établit un lien entre les droits humains et le climat. Je ne dis pas que j'ai tout dit. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi tu fais des suppositions? Suffisamment d'imagination pour développer. Pourquoi tu fais des suppositions? Allez. Alors, l'association en question dont tu as parlé s'appelle les aînés pour le climat. Voilà. Aînés, E-E-S. Ouais. Parce que ce sont 2500... Des femmes. 2500 Suisses de plus de 64 ans. Donc ce sont elles qui se sont réunies et pour dire à la Suisse, pour dire non à la Cour européenne des droits de l'homme, en disant condamner la Suisse parce que la Suisse ne prend pas les mesures suffisantes pour nous protéger des conséquences du réchauffement climatique. Et les juridictions suisses les avaient envoyées bouler, donc elles ont saisi la Cour européenne. Et donc, décision historique, Cour européenne dit, premièrement, la Suisse a violé le droit à un procès équitable. Vous savez que c'est une chose qu'on dit souvent, hein, le droit à un procès équitable, c'est très utilisé par les juristes. Et donc la Cour leur donne raison à l'unanimité en disant, en refusant d'examiner leur demande, la Suisse leur a refusé le droit à un procès équitable. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit, mais il y a eu aussi, la Suisse a violé l'article 8 de la Convention qui prévoit une protection de la vie privée de la famille. Alors au départ, on se dit, mais en quoi la vie privée et la famille sont concernées? Eh bien, la famille, c'est considéré comme tout ce qui concerne les droits fondamentaux à la santé, à la protection contre l'environnement. Et la Cour considère que la Suisse, en ne mettant pas en place une politique de prévention et de régulation, donc ce qu'elle a pris comme mesure, ce n'était pas suffisant au regard de l'urgence de la situation. Et c'est dans ce sens que la décision de la Cour européenne est une décision importante. C'est parce que ça met les États en face, tous ceux qui font partie du Conseil de l'Europe. Hein, attention, ce n'est pas, une décision, ce n'est pas une Cour internationale. Elle décide que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte que leurs citoyens puissent ne pas être affectés par le réchauffement climatique. Et c'est à mettre en parallèle avec un rapport de l'ONU sur le Conseil de l'environnement qui a produit un rapport disant que depuis 5 ans, il y a eu une augmentation très très importante des décisions de justice qui condamne les États. Il y a eu les États-Unis, les Pays-Bas, même la France, hein, puisque Paris, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État. Donc, je trouve que c'est un encouragement, non pas à faire de l'idéologie, mais à faire de la technique juridique. Il y a de quoi pour les associations, se faisant aider par des juristes qui traitent la question de façon compétente, d'utiliser cette arme-là, c'est une arme de plus, pour pouvoir obtenir que les États aillent plus vite dans la protection des citoyens. Tu ne parlais pas à... Je parle à personne. Tu parlais pas à... Je commente à ce que tu m'as dit. Tu hein, non, je parle à personne. À des associations locales, de l'environnement. Aucun message. Jingle culture. Je m'étais demandé quand je circulais dans les grandes villes, Marseille, Paris,
Qu'est-ce que ça peut représenter comme vécu, comme vie, comme vision, tous ces couples mixtes, quoi, femmes-hommes, hommes-femmes de pigmentations différentes, africains, antillais, avec des caucasiennes, avec des métropolitains, avec des françaises, criollo-cosotelés, blancs et noirs et tout. Et une étude de, d'une sociologue qui s'appelle Solène Brun vient un petit peu décrypter ça au vu de c'est une attachée au CNRS, je crois bien. Emmanuel va nous donner le contenu de son bouquin, de livre, de l'ouvrage qu'elle a sorti. Alors, Solène Brun, en effet, sociologue, chargée de recherche au CNRS, spécialiste des questions raciales. Oui. Elle a écrit un livre, une étude qui s'appelle « Derrière le mythe métis oui. », où elle est rentrée dans l'intimité des familles dites métissées pour essayer de comprendre les ressorts qui pouvaient animer ces familles. Et elle sort donc une série de conclusions un peu contre-intuitives, me semble-t-il, parfois un peu déprimante aussi, ça c'est, j'ajoute déjà mon point de vue, mais qui consiste à dire en gros le métissage que l'on pourrait intuitivement voir comme étant une solution pour régler, on va dire, les questions dures du racisme, eh bien, au fond, ça ne fait qu'alimenter, en réalité, l'existence même de la relation racialisée. Ouais. Voilà un peu ce qu'elle dit. Et en disant, en gros, le mythe du métissage est un peu un roman, une approche un peu romancée de la relation. Tu veux dire le métissage heureux? Oui, voilà. C'est un mauvais roman, mais qui n'enlève rien à la dureté des relations racialisées. Ouais. Et qui, au contraire, pour certains acteurs qui en sont issus, alimente la fracture. Donc, on est en train de dire, là, le métissage alimente le racisme. Voilà une équation qui est quand même... et c'est en ça que je trouve que son analyse est un peu déprimante. Et alors, moi, j'ai envie de dire plusieurs choses à ce niveau-là. Puisqu'en fait, on est dans un débat qu'on retrouve souvent, qui est le débat entre la logique systémique des choses et la logique individuelle des choses. Je vais y revenir, mais derrière cette logique, il y a quelques vérités qu'il faut rappeler. La première, c'est que, parlons du racisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, derrière le métissage, il y a deux vérités qui s'affrontent. Une vérité scientifique face à une vérité sociologique. La vérité scientifique, c'est de dire que les races n'existent pas. Ça a été démontré 10 000 fois. Nous sommes tous de la même espèce raciale, nous sommes des homo sapiens, et il n'y a aucune variation entre nous, en dehors de quelques variations de couleur, mais qui ne relèvent pas d'une logique raciale, au sens scientifique du terme. Donc, réaffirmer que la race n'existe pas sur le plan scientifique. En revanche, elle existe sur un plan social, elle existe parce que l'homme a décidé qu'il fallait qu'elle existe. Ce sont nos esprits, une construction mentale qui s'est faite pour plein de raisons. Dès lors que l'homme invente des concepts collectifs, c'est parce qu'il y a des arrière-pensées. Il faut bien avoir quelque chose pour pouvoir instrumentaliser les rapports entre les gens. L'homme a besoin de se compartimenter dans des segments pour pouvoir peut-être mieux s'affronter, pour pouvoir mieux délimiter des frontières, pour pouvoir mieux... Et donc, cette construction mentale, nous sommes le fruit de ça, nous sommes un peu un peu le monstre d'une construction mentale qui nous manipule. Et donc, ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité que je voudrais rappeler aussi, c'est qu'on parle de métissage, mais est-ce que le métissage existe? Ou alors, j'ai envie plutôt de dire les choses de la manière suivante, nous sommes... sur un plan scientifique, tous des métis, tous. Vous prenez le plus noir des noirs du cœur de l'Afrique noire et vous le comparez au plus blanc de blanc du haut de la Norvège, vous regardez les ADN, ils sont quasi identiques. Le patrimoine génétique est le même, fondamentalement. Donc, comment se fait-il qu'on est arrivé aujourd'hui à instaurer des rapports de force sur des mensonges scientifiques? C'est une vraie question de l'humanité. Et,
Et là où je suis un petit peu désespéré par cette très belle analyse de Solène Brun, parce qu'elle va quand même, elle creuse la réalité sociologique du métissage, c'est de dire, au fond, le système qui est issu d'une construction mentale, est-ce qu'on peut agir dessus réellement ? On se sent un peu impuissant parce qu'il nous submerge réellement. Or, la seule marge de manœuvre que l'on a, même si c'est une marge utopique, c'est notre conscience personnelle. Et je pense qu'on est à cette phase de l'humanité où nos consciences individuelles ne sont pas encore suffisamment fortes pour lutter contre ce système. Voilà, puis en conclusion, il y a peut-être, et là je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais il y a peut-être un grand principe qui cherche à lutter contre le système d'une société racialisée, qui le fait avec beaucoup d'imperfections, avec beaucoup de limites, avec beaucoup de... qui est, à mon sens, le seul système qui est écrit sur sa table de loi, que les hommes sont tous égaux en droit, en état. C'est le système de la République, malgré tout. C'est le seul, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est ce principe, qui est contesté par ailleurs, mais c'est le seul qui, aujourd'hui, établit cette vérité contre laquelle il y a encore beaucoup de tensions, mais qui consiste à dire qu'il faut que le système ne perdure pas sur un mensonge scientifique qui est l'existence des races, et donc qui est la fausse existence du métissage, et qui nous crée des obsessions qui guident un peu nos vies de manière totalement disproportionnée. Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. C'est un ouvrage de Solène Brun, édition La Découverte, de 336 pages. Donc je crains qu'en 5 minutes à louer dans le cadre de cette émission, on ait vraiment fait le tour de la question. Je vous incite à le lire pour le coût modeste de 22 euros. C'est sûr qu'avec Amazon et avec le Croix de Mai, avec tout ça, ça va arriver à 50 euros. Bon, surtout qu'on peut l'avoir en version numérique. Oui, immédiatement. Un peu moins cher. S'il a été édité en numérique. Oui, il est en numérique. J'ai vérifié. Version numérique, 15 euros. Ah, donc, très bien. Voilà. 7 euros de moins. On a fait le taf, comme dirait mon fils. J'ai l'impression que derrière cette étude, il reste quelque chose que j'ai ressenti. C'est qu'en fait, tu l'as dit quelque part. Tu as démarré très, très pessimiste et puis en fait, tu as en réalité compris ce que je voulais dire. Je m'avais peur. C'est que derrière ces constructions de métissage heureux, métissage ou métissage malheureux, ou bien alors ce grand béquet avec la moustache qui racontait que le métissage c'est une mauvaise chose. Quoi, devant, face à ces imbécilités sociales et humaines, il y a une réalité, c'est la réalité que nous sommes tous égaux. On dit ça encore, tous égaux. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Musique. Franchement, Christian, l'absence de Christian me pèse. Il faut que je traite du chapitre. Il y a des gens qui m'appellent pour me demander côté M. Yé. Une bouteille de roi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est maintenant dans la forêt brésilienne. Qu'est-ce que on retrouve ce chemin. Je sais qu'il faut rire parce que ça fait arrêter de rire. Une pratique de musique et de danse qui remonte à la période esclavagiste, le ballet, se danse par quatre couples disposés en double quadrille. Il établit un dialogue entre les danseurs et le tambourier, qui joue sur son instrument des rythmes qui correspondent au pas du danseur qui l'inspire le plus. Musique, moment ballet au Pit de Dillon. En arrivant, il y a un monde sali. Déclaration à Yipio. Aïe contre Yipio, mais des gros. Déclaration à Timage Claire. Aïe contre Yipio, Valentin Claire. Déclaration à Tikonga. Aïe contre Yipio, mais des bras. Déclaration à Silver Caprera. Aïe contre Sanatine Moulia. Déclaration au moins qui céleste. Les moins contrées, il y avait la jeunesse. Faire la montagne. Crier les répondeurs. Faire la montagne. 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 Faire la montagne.
Donc le Tibois est Tibois, est joué par un Tiboitais. Joueur de Tibois, vous avez compris, qui marque le tempo et indique au tambourier Bellet la forme, celui qui joue du tambour, la forme qui est jouée. C'est lui, le Tibois, qui indique que si c'est un Belli à Bellet, si c'est un grand Bellet, etc. Alors, il y a plusieurs Bellets de la Martinique. Mmh. J'en ai appris des choses en l'absence de Christian. Le mot Bellet recouvre plusieurs réalités. Il désigne à la fois un genre musical, un instrument de musique, un corpus de chant. Musica qui s'appelle Bellet Show, Banou Bellet. Suite de danse coexiste sur le territoire, du nord au sud, le Bellet Sainte-Marie, le Bellet Basse-Pointe, ça c'est le nord, et puis le Bellet Licide, qui veut dire le Bellet du sud. Ce terme désigne l'événement au cours duquel on danse, on chante et on joue le Bellet. Les éléments ont été introduits par les ancêtres africains esclavisés sur l'île, qui prédominent dans le Bellet d'aujourd'hui. On y trouve aussi plusieurs aspects de quadrille et contredanse qui étaient à la mode aux environs au XVIIIe siècle, entre 1870 et 1840. Bellet Martinique, Musica. Les danses de la ligne clé, au nombre de 5, se donnaient bien après minuit. Certaines de ces danses, comme le Mabello, empruntent une partie de leur déplacement aux contredanses européennes, mais d'autres, comme par exemple le Roulé Mango, ou le Ting Bang, semblent n'avoir pas été soumises à leur influence. Ticano par Christophe Fontier. Moi, en Ticano, Ticano, moi, parti à la nage, moi, il fait carénage. Car l'argent trouvé en médaille, médaille à monter bas, Zakoli porter bas, Bikea porter bas, la béa porter bas, Monseigneur, il dit Monseigneur, béni bas, moi.
Le Venezuela et le Carriceo sont les deux danses les plus récentes. Elles seraient dues à Émile Cacérus, Didier Émile, et à Siméline Rangon. Ajoutez que trois gardiennes ont fait leur entrée dans ce cénacle du Belley. Elles ont été honorées du titre de maîtresse du Belley. C'est Francine Gercé, Marie-Victoire Persani, Fortuna Grivalier, Kouprov. J'espère n'avoir pas massacré leur nom. À côté de trois maîtres, Robert Bellina, Théophile Bertin, Regina et Pierre Bersani. Je n'ai pas oublié de citer les nouveaux maîtres du Belley, mais je donne la priorité aux femmes, aux maîtresses du Belley. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous, et puis absolument aussi à nos téléspectateurs et à toute l'équipe, Mehdi, David. Nous n'avons pas vu ce matin notre... un webmaster, celui qui fait la promo de nos... Jean-Yann Fidol, on le salue. Et puis Max, et puis toute l'équipe, et puis viva Zitata. Bye bye. À la semaine prochaine.